Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va détruire l'acteur qu'on va récupérer. Donc je vous rappelle, en fait, dans interaction item, quand on passe par la sphère trace by channel, on récupère le pp item parent et ensuite on va dans le pickup item. Okay, donc là, on a le lien entre le as bp item parent, item ref. L'item ici, on fait un get class, on récupère donc via le make structure inventory, on l'ajoute dans l'inventaire. Là, donc, on charge l'inventaire et suite à ça, mais en fait, on va détruire l'acteur. Donc, on va faire un destroy actor. Ensuite, il faut renseigner quel est l'acteur à détruire. L'acteur à détruire, c'est celui qui sort de item ref. Donc, on va le lier ici au destroy actor. On va juste redesigner ça pour que ça soit plus clair. Voilà, je vous fais un peu plus de place. Et voilà, là en fait on a tous les éléments. On va le tester tout de suite. On va compiler, sauvegarder. Je lance, donc je vais récupérer mes éléments. Hop, hop. Et si j'affiche mon inventaire, je vois apparaître bien mes trois objets.